La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenue à la sexualité féminine. Et c'est un sacré titre. Bienvenue à la sexualité féminine, un espace où nous allons avoir l'opportunité de parler, je ne sais pas si spécialement de sexe, en tout cas de parler de l'être humain. Elena Trujillo, Clémence Lenis, psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse, Grupo Cero de Madrid. Oh, je suis à la sexualité féminine. Ok, bienvenue Elena. Elle aussi, elle est contente. Bon, alors je te propose aujourd'hui, et j'ai l'impression que mon siège fait beaucoup de bruit, mais bon, c'est pas grave. Et je te propose aujourd'hui de faire une sorte de petit récapitulatif, on va dire, pour un petit peu se placer au bon endroit, on va dire. C'est-à-dire que nous savons que la psychanalyse est une science nouvelle. Et quand on dit nouvelle, c'est parce que, comme nous savons, pour une science, plus de 100 ans, c'est encore très peu pour réellement toucher toute l'humanité, tous les êtres humains. Nous savons que dans la société actuelle, d'abord, il y a plusieurs types de sociétés, et en plus, même dans la société européenne, par exemple, il y a différents types de monde. Non, nous savons qu'il y a des gens qui vivent dans le 21e siècle, il y a d'autres gens qui vivent pratiquement au Moyen Âge. Donc, il y a de grandes différences. Et c'est-à-dire que nous avons devant nous la possibilité de voir toute cette évolution de la civilisation. Oui, nous avons travaillé pour la civilisation et pour le développement de tout. Bon, d'accord, nous voyons que Elena nous a bien suivis, donc effectivement, que nous travaillons actuellement pour le développement de tous, ceux qui acceptent, disons, d'être touché par des idées différentes. C'est justement de ça dont je voulais parler aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu de présenter la psychanalyse quand on dit aussi que c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a encore trop peu de gens qui se sont approchés à la nouveauté que propose la psychanalyse. Et quand je faisais référence aussi à ces différentes étapes de l'évolution sociale qu'a parcouru l'homme, et c'est parce que depuis, tu te rappelles, Elena, depuis Copernic, qui est venu nous blesser, qui est venu blesser notre narcissisme en nous disant que... Oh non ! En nous disant que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, sinon bien l'inverse, c'est la Terre qui tournait autour du soleil. Il y a eu, l'homme a souffert une grande blessure, non seulement parce qu'il n'était pas le centre sur sa petite planète, il n'était pas le centre de l'univers ni des galaxies, sinon qu'il était une planète parmi beaucoup d'autres, peut-être même beaucoup plus petite que certaines, et qu'en plus, qui avait besoin de tourner autour du soleil pour continuer à vivre, non ? Qui était prise par un axe et un mécanisme. Mais oui, c'est normal que notre narcissisme se relativise. Avec la science. Avec le développement de l'enfant, c'est très narcissique. Narcissique. Oui, narcissique. Mais il va apprendre à notre personne qu'il est un humain entre autres humains, une autre manière de penser. Claude Pelo, il y a, donc on va dire qu'un être humain, un adulte, devrait avoir réussi à diminuer gravement son niveau de narcissisme pour pouvoir vivre avec d'autres et bénéficier justement de ces relations que les autres nous permettent. Et nous savons, avec notre travail de psychanalyste, que la maladie mentale, c'est une exacerbation de son narcissisme. Okay. Et aussi comme les politiques. Comme les politiciens, tu veux dire. Et oui. Mm-hmm. Comme les politiciens. Bon, très narcissiques. Elena est très touchée par tout ce qui se passe actuellement en Espagne. Oui. Et donc, effectivement, c'est difficile de ne pas faire référence
à ces attitudes infantiles des politiciens, parce que ce sont des attitudes complètement infantiles qui n'ont pas de résonance sociale. Je veux dire, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent. C'est incroyable que ce soit ces gens-là que nous choisissions depuis des siècles et des siècles, que nous continuons à choisir les politiciens les plus décadents, infantiles. Nous sommes un bon professionnel et nous aussi recommandons les psychanalystes pour les politiciens. Et là, c'est salut. La santé, c'est nécessaire pour vivre. Oui, d'accord, mais bon, disons que comme les politiciens, surtout ceux qui sont au pouvoir, ils pensent que ils font tout correctement, ou s'ils ne le font pas correctement, on s'en fout, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, je veux dire, on va pas s'occuper des politiciens, on va s'occuper de ceux qui viennent et qui font toc-toc et disent « oui, ça m'intéresse ». Non, qu'ils soient politiciens ou que quoi qu'ils fassent. Mais c'est vrai qu'une petite dose de psychanalyse pour nos politiciens, ça ferait du bien. Oui, parce que tout avons une opinion. Nous avons tous des opinions. Avec la vie, avec la politique. Normalement, nous sommes très narcissiques aussi. Avec nos opinions, non ? Nous croyons que c'est des véritables drapeaux de vérité. Oui, mais notre travail, le psychanalyse, possibilite que nous pouvons amplier. D'accord, c'est que la psychanalyse nous permet d'agrandir notre monde, notre vision, notre écoute, et nous permet de voir justement ce que vient un petit peu la nouveauté que nous propose la psychanalyse, parce qu'on va voir que la première difficulté pour s'approcher la psychanalyse, c'est ne pas la comparer avec quelque chose que je connais. C'est-à-dire être capable de regarder la nouveauté, de découvrir. Parce que quand je dis « non, mais ça c'est la même chose que ceci, ah oui, mais ça revient au même que cela, ah mais c'est la même pratique que cela. » Non, ça ne ressemble à rien de tout ce que l'on connaît, même de toutes les théories. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la psychanalyse qui est donc née en 1900, et au XXe siècle, première année du XXe siècle, avec le livre « L'interprétation des rêves », où Freud, conceptualise le concept d'inconscient. Donc, à partir de là, il y a eu beaucoup de créations. Il y a eu, à cette époque, au début du XXe siècle, beaucoup de gens ont lu Freud. Beaucoup de gens se sont laissés imprégner par les découvertes de Freud. On le voit principalement dans le cinéma, dans la littérature, dans la médecine. Je veux dire que ça a touché beaucoup de secteurs et qui aujourd'hui justement ont été repris par beaucoup de types de thérapies et de thérapies de tout type qui ont repris des idées de la psychanalyse, mais qui dit non, je ne veux pas tout, je veux simplement cette petite phrase, je l'accepte, cette petite autre, que je l'accepte et je vais l'utiliser. Oui. Freud dit que le traitement psychanalytique doit faire sur l'abstinence. Mais l'abstinence sexuelle? Non, l'abstinence de notre tendance à la satisfaction directe. Immédiate. Oui, qui nous maladie. Que c'est une maladie, non? Cette tendance à vouloir satisfaction, encore quelque chose d'infantile, non? De vouloir être satisfaite tout de suite, maintenant et comme je veux. Oui, la civilisation, c'est la construction d'un processus. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ça se fait petit à petit. Oui. Et en plus, quand il y a des constructions, on ne se rend pas toujours compte exactement de ce que ça propose. Mais donc toi, tu parlais de la construction du processus et tu faisais référence encore à nos infantilismes qui nous empêchent de réellement vivre la vie que nous aimerions bien vivre ou que nous pourrions rêver. Mais je pensais que aussi ce que Freud va nous montrer pratiquement dans toute son œuvre, c'est qu'est-ce qu'un esprit scientifique ? Non, et Gaston Bachelard, on voit qu'il a bien lu Freud, a repris donc dans la formation d'un esprit scientifique
il a repris non, toutes ces idées des scientifiques, c'est-à-dire pour faire une lecture de la psychanalyse, et c'est ce qu'on vous propose, c'est faire une lecture scientifique. Parce que la science n'est pas propre aux scientifiques, sinon que la science peut, et qu'il nous conviendrait de pouvoir tous avoir un esprit scientifique pour pouvoir lire notre propre vie, pour faire une lecture beaucoup plus saine, on va dire beaucoup plus saine et beaucoup plus enrichissante des faits. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher ce que je pense. Je lis des livres qui disent la même chose que ce que je pense. Ben, j'évolue pas grand-chose. Donc on voit, oui, il lit beaucoup, oui, il lit énormément. Mais il ne se laisse toucher par aucune de ses lectures. Il lit que les livres, non? Par exemple. Je veux dire que ce sont des tendances. Et en plus, parce que la psychanalyse, bien sûr, elle vient nous montrer quelque chose qui nous dérange. Donc comme je disais, pour revenir à Copernic, pardon Elena, mais pour revenir à Copernic, non seulement il va nous montrer que nous ne sommes pas le centre de l'univers, sinon et principalement, il va venir nous dire que ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité. Et ça, c'est une chose qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens n'acceptent pas. Ou plutôt qui continuent à croire, non, il existe, si je le vois pas, je le crois pas. Comment ? Mes yeux, ça, ne donne aucune vérité. Ce que je vois, c'est toujours vu. Ce que je vois, ce n'est pas la réalité, sinon que c'est passé par un sujet psychique qui pense qu'il y a des idées et qui va voir ce qu'il veut voir. Je veux dire, parce que une chose, là, il existe, non, ce dicton en français en disant que chacun voit ce qu'il veut voir. On voit bien, on entend ce qu'on veut bien entendre, on voit ce qu'on veut bien voir, ou on montre que c'est le sujet qui détermine le monde dans lequel il vit. C'est le sujet qui le détermine, il n'y a pas une réalité qui est mise. Et pourtant, on se laisse encore tromper par nos sentiments. C'est-à-dire que l'on pense que nos sentiments viennent nous dire quelque chose de vrai de nous-mêmes. Si je me sens bien, c'est que cette situation, ça me fait du bien. Si je me sens mal, ça veut dire que cette situation est néfaste pour moi. Donc je continue à utiliser mes sens comme thermomètre, comme thermomètre pour savoir où j'en suis, pour savoir ce que je pense. Tout ça, c'est foutaise. Foutaise, c'est-à-dire que je vis dans la... non seulement dans l'ignorance, mais en plus dans une illusion totale. C'est-à-dire que je vis, non seulement je suis complètement aveugle sur ma situation, sinon que je suis en plus aveugle sur la situation des êtres humains. Donc je vais faire croire à l'autre que ce qu'il sent, c'est vrai. Bon, attention, ce que nous sentons, et ça c'est une des choses qui est venue, donc à partir de Copernic, et non... par moi j'ai du mal à parler en français, par découlement, j'allais dire, mais je sais pas si on dit comme ça, par découlement, on va dire, qui est arrivé à la sensation. C'est-à-dire que la psychanalyse, elle dit que nos sensations ni même nos idées déterminent notre manière de vivre, de vient nous dire une vérité sur nous-mêmes. Absolument pas. Donc ça, c'est déjà une... bah, c'est une autre douleur que l'être humain a bien du mal à supporter, et il continue à se laisser guider par ses propres sensations. J'ai passé un beau moment, donc je reviendrai. Oh non, j'étais pas contente du tout de le voir, donc je ne le verrai plus jamais. Nous avons, en plus, nous sommes assez drastiques, mais nos sentiments ne sont pas un thermomètre. Donc c'est pour ça que nous vous recommandons et de vous allonger sur un divan ou d'avoir la possibilité de parler avec un psychanalyste pour pouvoir savoir un petit peu plus sur vous-même. C'est-à-dire que c'est que par l'interprétation psychanalytique que nous allons pouvoir découvrir quelque chose de notre vérité. Aussi, nous recommandons l'étudier psychanalyse. Étudier la psychanalyse, c'est un... Vous pouvez... Bah, pour l'instant, pour étudier la psychanalyse, il faut d'abord étudier l'espagnol. Donc, mais l'école de poésie psychanalyse offre un séminaire de Sigmund Freud pour commencer, de première année, où vous pouvez avoir accès, et justement pour découvrir, parce que toutes les nouvelles idées, il est venu révolutionner complètement la façon de vivre de l'être humain, il est venu donner une nouvelle opportunité, une nouvelle porte que nous devons, à laquelle nous devrions tous pouvoir avoir accès. Les formations aussi sont online. Et la formation est online, oui. Et comme elle...
Donc, pour nous, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail de la sexualité féminine. Non, pardon, je répète, la sexualidad femenina radio @gmail.com, la sexualidad femenina radio @gmail.com. Et de toute façon, dans le YouTube, vous pouvez avoir nos coordonnées. Vous avez les détails de nos coordonnées et vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone 00 34 626 89 02 34, 00 34 626 89 02 34. Et on continue jeudi prochain ou vendredi prochain. À la prochaine, bonne semaine, au revoir. Au revoir. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.